Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Parlons Gouvernance encore ce vendredi matin. Agapite Napoléon Mafouricant, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour à tous les téléspectateurs. Chose promise, chose due, nous parlons cette fois-ci du contrôle du financement public. Nous avons démarré la dernière fois par évoquer ce que c'est que le financement public. Mais vous avez évoqué un terme sur lequel je veux bien qu'on revienne avant d'aborder rapidement le contrôle. Le financement occulte, Agapite Napoléon Mafouricant, qu'est-ce que c'est? Merci Angèle, à nouveau bonjour à tous nos téléspectateurs. Je voudrais juste dire un mot sur l'Afrique, hein, pour dire que nous avions célébré hier la journée de l'Afrique. Et que lorsqu'on parle de Parlons Gouvernance, beaucoup d'Africains, beaucoup de leaders africains, beaucoup de jeunes militants qui sont aujourd'hui octogénaires ou nonagénaires ont rêvé d'une Afrique unie. Et de gouverner ensemble, avec les institutions ensemble, et de l'OUA à l'occasion de l'unité africaine, qui dont nous gardons cette date. Et on est aujourd'hui à l'Union africaine, qui peut-être fait son petit bonhomme de chemin, mais qui n'arrive pas encore à accrocher. Mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je voulais juste quand même, comme nous sommes dans Parlons Gouvernance, évoquer quand même cette date. Peut-être qui a pu échapper ici ou là, mais sur laquelle je tenais à dire ces petits mots. Et en nous revenant chez nous, dans notre petit cercle, notre petit pays, petit Bénin, bon voilà, mais nous venons chez nous, c'est comme chez nous, le Bénin. Et dont on est fier, moi je suis fier d'appartenir à l'État et du Bénin, voilà. On parle donc du financement des partis politiques. Alors, si on évoque la question du financement occulte, c'est tout financement non clarifié, non tracé. C'est l'argent qui vient de nulle part, c'est l'argent dont on ne connaît pas la source. C'est l'argent qui n'est pas tracé. Ouais, et lorsqu'on dépense beaucoup en espèces, en numéraire, on ne trace pas. Et pendant longtemps, la classe politique a évolué comme ça. Ça se gère en termes de sacs de jute dans lesquels les sous sont. Ça circule de main en main. Alors comment vous allez tracer ça? Donc, mais pourquoi tracer d'abord? Pourquoi tracer ça forcément? Il faut toujours tracer les devises qui circulent dans le pays. Vous savez, il y a le blanchiment fait partie des tares et des grands problèmes de notre temps. Et donc, lorsque ce n'est pas tracé, on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être l'agent du blanchiment. Et donc, un parti qui veut gouverner et qui circule avec l'agent blanchi ne peut pas être un modèle, ne peut pas prospérer et ne doit pas, parce que ça serait un mauvais modèle pour le peuple. Donc, pendant longtemps, nous avions connu les partis individus ou les individus partis, les partis patrimoines, où on ne sait pas d'où provient l'argent, mais que le chef du parti vient, il va aller capter la rente tant au niveau national qu'au niveau international, il revient, il jette ça dans le parti et il est le Manitou. Oui, c'est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent aussi. Voilà. Donc, il impose tout, il dit tout, il peut tout dire aujourd'hui, dit le contraire demain. On l'applaudit de la tête et des pieds et on est tout heureux. Si le noir voit votre veste qui est de couleur bleue nuit, comme on le dit vulgairement. Et alors si lui, il vous dit que c'est du blanc, les gens vont se lever, applaudir à tête et à pied. Et celui qui jamais va dire que c'est du noir, on dit, mais il est malade. Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il est sérieux? Il faut le tuer en disant que c'est du blanc. Parce que le bailleur a dit que c'est du blanc. Donc voilà un peu, ça ne pourrait pas continuer. Donc, le financement. La réglementation justement des dépenses de campagne, par exemple, tient de cela. Et là, nous sommes déjà dans le financement public. Nous sommes déjà dans le code électoral, la loi est de 2019-43 du 15 novembre 2019, code électoral en République du Bénin, a réglé la question donc des dépenses de campagne pour essayer de plafonner pour qu'il n'y ait pas d'abus également. Et donc la Cour des comptes, tout récemment, a publié la liste les frais de campagne dépensés par chaque. C'est cela. Ça permet aux populations, ils ont 2 semaines, non 15 jours, pour aviser, pour faire des observations. Ça montre que
Aujourd'hui, si je veux, je suis un parti qui fait des dépenses, je contrôle sa liste, et je dis, bon, le parti n'a pas mis telle dépense, le parti n'a pas mis telle dépense. Et alors, si j'ai des preuves, je peux contrarier le parti. Donc, c'est pour éviter que l'agent occulte, passe par. Bon, la loi a réglementé le financement privé des partis politiques. En dehors des cotisations, quelques dons, vous pouvez recevoir des dons des individus, mais pas des structures. Donc des personnes privées, mais pas des personnes morales. Et c'est aussi simple que ça. La personne morale, n'importe qui peut se cacher derrière une personne morale pour le faire. Oh, la personne privée, on peut le remonter pour savoir, mais lui qui donne 200 millions pour la campagne de tel, lui qui donne 100 000, mais 100 millions pour tel parti, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Et que, donc on regarde l'historique, on s'assure que c'est quelqu'un qui a la capacité. Et donc, c'est des balises pour éviter justement que l'argent... qu'il n'y ait pas de financement occulte. Et lorsqu'il y a financement occulte, c'est échappe au fisc. Or, nous sommes également un pays où le budget est essentiellement fiscal. Donc, il faudrait bien que si l'argent entre, que vous payez le fisc, que vous payez la part de la fiscalité qui revient à l'État, que vous payez dedans. Donc, tout ça entre en ligne de compte lorsqu'on parle de l'argent frauduleux, donc du financement occulte. D'accord. Alors, quand on leur remet le financement public, ils ne paient pas d'impôt là-dessus? Ah si, tout argent, tout. Même du public? Je ne sais pas si l'État a exonéré les partis politiques, je ne sais pas. Okay. Mais s'il n'y a pas une réglementation spéciale, ils doivent payer. Je dis, s'il n'y a pas une réglementation spéciale, là, ça, il va falloir que j'aille contrôler. S'il n'y a pas de réglementation spéciale, ils doivent... Tout argent qui vient, tout, que ce soit en espèces ou en biens ou en services, normalement, vous devez payer les impôts. On se dit que vu que c'est l'État même qui a donné... On va encore donner, remettre si, à l'État. Si l'État vous l'a donné en compensation de quelque chose, c'est comme s'il y a eu un échange de biens et de services. Donc, mais tout ce que vous recevez, vous devez payer la part des impôts. Donc, du coup, il y a l'AIB, il y a la TVA, ça dépend, ou les deux. Ou les deux. Donc, c'est important dans un budget fiscal que vous sachiez que c'est que même si vous êtes prestataire pour l'État, vous recevez les fonds de l'État par rapport à vos prestations, vous payez la TVA, vous payez l'AIB. Donc ça dépend de les deux. Donc oui, je ne sais pas, à moins que vous soyez expressément exonéré, parce qu'il y a des structures qui sont expressément exonérées de certains types d'impôts. Ça c'est bien, sinon autrement vous devez payer obligatoirement. D'accord, cela a été également pensé pour éviter le déséquilibre lors des campagnes électorales, pour qu'un parti ne dépense pas plus pour l'autre. Oui, ça c'est pour le compte, c'est pour le financement, c'est pour le plafonnement des dépenses de campagne. Ça c'est différent. Okay. Non, parce que la loi a fixé, par exemple, à 30 millions, ce qu'un député, un candidat à la députation peut dépenser. Le plafond. Donc, vous n'êtes pas tenu d'y aller. Vous avez vu que le Bloc républicain a dépensé plus que l'Union progressiste de Renouveau. Par exemple, alors qu'on a l'impression que c'est l'Union progressiste de Renouveau qui a les magots. Ouais, donc ça peut être trompeur. Et bien que malgré que le Bloc républicain a dépensé plus, c'est l'Union progressiste de Renouveau qui a plus de voix. Donc, le problème n'est pas toujours lié à l'argent, c'est lié à un certain nombre, à un ensemble de choses. Ce qui est important, c'est que oui, en plafonnant, on essaye de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour qu'il n'y ait pas d'abus, pour que l'argent n'achète pas le pouvoir. Voilà. Maintenant, parlons du contrôle. Qui contrôle ces fonds donnés aux partis politiques? Il y a plusieurs contrôles. Il y a les contrôles, pour être simple, pour que nous parlons à tous nos téléspectateurs, le contrôle du financement privé et le contrôle du financement public. Le contrôle du financement privé fait partie des contrôles normaux qui se font dans la gestion d'une organisation. Okay. Lorsque vous êtes une ONG, lorsque vous êtes... En tout cas, dès que vous contractez avec l'État, que ce soit une entreprise publique, que ce soit une organisation non gouvernementale caritative, et qui agit au nom du point de vue public, qui fonctionne, et qui reçoit l'onction de l'État, d'une manière ou d'une autre, l'État doit regarder son fonctionnement. La manière dont... L'État ne viendra pas dans votre famille pour savoir combien on vous donne de popotes, combien papa dépense pour ses biens privés. Non. Il ne veut pas demander combien vous donnez à vos enfants. Non. Parce que vous êtes une famille, vous gérez vos avoirs, vous fonctionnez. Si vous aviez dans la famille le club des enfants, le club des petits-enfants, l'État ne rentrera pas dedans.
Mais lorsque vous êtes une organisation qui a vocation à gouverner, quand vous êtes une organisation publique, l'État regarde pour qu'on réglemente. C'est la façon de réguler de l'État. De réguler. Donc, vous pouvez recevoir, vous fixez librement vos cotisations, vous pouvez recevoir des dons, des libéralités de personnes connues, mais vous devez en rendre compte à la Commission électorale nationale autonome. Vous devez documenter tout ça. Vous devez avoir une comptabilité conforme aux normes en vigueur au Bénin. Vous devez avoir la traçabilité de vos opérations. Vous devrez financer. Il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas utiliser l'argent pour financer. Donc, vous devez financer, notamment, vous devez avoir un siège au conseil national et des sièges départementaux. Vous devez avoir une administration pour que le parti vive, le parti étant la structure qui, on a dit que les partis politiques animent la vie politique. Et l'État, en les finançant, contribue à cette animation-là. Et donc, c'est de bon droit que l'État regarde un peu dans leur finances. Donc, ils ont le droit au niveau privé. Ils en rendent compte normalement dans leur bilan à la Sénat. La Sénat peut présenter quelques sorties pour contrôler elle-même. Donc, il y a un contrôle. Il y a déjà ce bilan qui est déjà acquis. Il y a les inspections des finances. Qui peut faire des sorties. Le Conseil des ministres de ce mercredi 24 mai a décidé de recruter 15 inspecteurs. Il faut le marquer. Les inspecteurs des finances jouent un grand rôle dans le contrôle des dépenses, surtout lorsque l'État, là où l'État a sorti l'argent. Donc du coup, la dernière fois, l'aide des étudiants, il y a des confrères qui parlaient donc de réduction des comptes. Voilà. Bien sûr, grâce au travail fait par les inspecteurs des finances, on peut avoir une vue claire de la dépense. Parce que la Sénat, elle ne fait pas l'inquisition. D'accord. Elle reçoit, elle peut dépouiller, elle peut faire des petits... Mais l'inquisition, elle vient du contrôleur général qui est l'inspecteur des finances, qui peut, lors de ses contrôles de routine, ou qui peut, au cours des contrôles, des commandités, diligentés, les audits, aller plus loin et vous faire des injonctions, de mettre des pièces à sa disposition, de fouiller, de contrôler, et donc de vous poser beaucoup de questions qui peuvent pousser à mener loin. Donc, ça, c'est l'obligation, c'est ce qui fonde l'État. C'est plutôt tout ça, son rôle de régulation. Et il faut que les fonds soient mieux gérés, l'argent de l'État, l'argent du contribuable béninois, mais également qu'il y ait une traçabilité, une lisibilité dans ce qui a été donné, dépensé, que les militants ne soient pas floués, que l'argent public, l'argent de ne soit pas utilisé à des privés, donc à but de biens sociaux et autres. Voilà, globalement, c'est pourquoi les partis sont autonomes, sont libres de tracer les chapitres, les rubriques, selon la nomenclature en vigueur, mais l'opportunité leur revient, dans bien des cas, les cas autorisés. Après, il y a un contrôle auquel ils doivent se soumettre impérativement. Donc, il y a l'administration, la Sénat, il y a l'inspection générale de l'État, et il y a la Cour des comptes. Voilà, directement où la Cour des comptes, c'est par rapport notamment au compte de campagne. Voilà. Les militants, eux, ont un droit de regard là-dedans. Les militants des partis. Oui, ça, c'est l'organisation interne du parti. Le parti n'est pas tenu d'ouvrir la comptabilité à ses militants. Mais vous voyez, l'organisation interne du parti souhaiterait quand même que lorsqu'une coordination départementale, communale, locale reçoit, donc nationale, reçoit quand même des sous, quand même qu'on en dise un mot aux élus. C'est pas le ministère lambda ne veut pas savoir, le P. Moi, comme je dis toujours, ma tante qui va à Kassa, qui va à Doyo, qui balaie ou qui n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait des grands milliards que vous recevez. C'est-à-dire trop pour lui. Lui veut, comme je vous l'ai dit, assouvir ses besoins fondamentaux. Et donc, le minimum. Qui se sent impacté dans ce. Tant que lui, le minimum social lui parvient, il ne veut pas savoir ce que vous faites de vos gros milliards. Et non, c'est pas son problème. Mais, descendre à la base, expliquer comment vous faites la dépense aux élus surtout, pour qu'ils puissent être vos relais également plus bas, c'est important. La notion de redevabilité doit exister au sein des partis politiques. Mais il ne faut pas que ça tourne au folklore. Comment ça peut devenir lorsqu'on a cette envie de l'instrumentaliser. D'accord. On va finir avec les punitions, si ça existe.
Ah oui, il y a un droit pénal lié au financement public. Mmh. Donc, c'est pas gardé, mais il y a des peines d'emprisonnement, il y a des peines. Il y a également possibilité de retrait de frais du fonds. Non, ça c'est au niveau des financements publics. Ok. Hein, mais même la mauvaise gestion des cotisations, des dons et libératés peut vous conduire à des amendes et même à des peines de prison avec ou sans sursis. Quand bien même ils ont été privés. Oui, absolument. C'est pour ça que je dis, l'inspecteur général des finances, lui, ne contrôle pas que les fonds publics. Il va regarder dans votre comptabilité globale. Alors, la comptabilité générale prend en compte aussi bien ce que l'État vous donne comme ce que l'État. Donc, il y a les entrées, il y a les sorties. Et les entrées, il y a les entrées publiques et il y a les entrées privées. Mm-hmm. Mais les sorties, il n'y a pas les sorties publiques. Sorties, c'est sorties. Voilà, donc... Et l'une des conséquences du financement public, c'est que la loi autorise, fait injonction aux partis politiques d'utiliser les fonds pour animer une presse politique. Oui. Une presse politique qui doit être au service de l'éducation citoyenne, de l'éducation civique. Les écoles de partis aussi. Les écoles de partis aussi. Mmh. Je pense que ce volet aussi mérite d'être expliqué pour que peut-être que les partis ne le comprennent pas. Bon, il y a quelques-uns qui ont quand même des écoles de parti, hein, je pense, sans pour faire publicité à un parti. Le père le faisait déjà bien avant. Là, le parti Ensemble le faisait aussi. Je prends les partis de fin. Oui, les partis de fin. Pour ne évoquer que cela, sinon, le père en a. Le FCBA a un responsable de l'école de parti. Je pense que les démocrates aussi ont un responsable à l'école. Au niveau du BA, je ne sais pas s'ils font. Donc, oui, les partis en ont, les partis essayent de gérer, mais l'éducation citoyenne ne s'est pas encore réellement fait. Comme je l'ai dit, les partis sont en phase transitoire. Ils s'installent. Il va falloir faire vraiment de l'éducation. Le vrai problème que nous avons, franchement, pour notre démocratie, c'est un problème d'éducation à la base, l'éducation des acteurs. Je pense même les intellectuels, beaucoup ont de gros diplômes, mais ils ne sont pas éduqués à la vie citoyenne, à la vie partisane, au mécanisme citoyen de gestion de l'action publique, au mécanisme de vie en communauté, à l'État et à ses implications. Il y a beaucoup de choses que de grands agrégés méritent de savoir. Et il y a beaucoup de choses que la population à la base également mérite de savoir. Je pense que c'est le rôle aussi des partis politiques. Et pour le moment, c'est pas 3 jours d'université vacances avec 2 communications, non. C'est tout un mécanisme qui doit être mis en place, hein, avec suivi bien décliné pour que les grands acteurs au niveau local, au niveau communal, au niveau départemental, au niveau national, puissent être impactés et sachent comment on doit gérer un parti politique. Voilà, je pense que ce programme aussi contribue à cette éducation citoyenne. Absolument, par la gouvernance. Voilà, merci à vous Agapite Napoléon Bafouekan. On a fini pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous lundi prochain, si tout va bien, et avec d'autres thématiques. Pourquoi pas évoquer l'explication à donner à l'école de parti. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle journée, hein, bien évidemment, avec nos programmes. Vous pouvez continuer à suivre nos programmes sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, le site YouTube, ETélé, www.etelebenin, et puis sur iOS et Android, ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.